Le mélange de Achir Arromi, un traitement complet pour la sorcellerie, le mauvais œil, la jalousie, la possession, les djinns amoureux, tous les types de mal occultes, ce traitement est vraiment complet. Assalamu alaikum, je suis Maher Jalal, vous êtes dans le cabinet Maher directement. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser Khaltat Cheikh Romi. Donc, Cheikh Romi, j'ai rajouté là-dessus, comme ça vous avez le tout complet, j'ai rajouté donc l'huile d'olive avec l'huile de Nigel qu'il faudrait mélanger. Donc, il faudrait mélanger ensemble, comme j'ai expliqué dans des autres vidéos. Il faut retirer un petit peu de l'huile et après mettre la Nigel. Et l'huile que vous retirez, vous pouvez l'utiliser après. D'accord? Et vous faites les massages tous les soirs. Vous pouvez prendre une petite cuillère, une toute petite à café le soir et une le soir et une le matin. D'accord? Donc pour l'eau, je vais expliquer. Donc pour l'eau, pareil, chaque bouteille est égale à un pack. Donc chaque bouteille, vous allez verser dans un pack. Prenez un pack et vous l'utilisez dessus. Ok, donc le Cheikh Romi, le principe, pourquoi ça s'appelle déjà Cheikh Romi, c'est parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a fait la ruqya et qui aussi il fait la traduction de rêve, et c'était quelqu'un de très connu dans ce domaine. Et il a vu en rêve que cette khalta, cette mélange que je vais expliquer. Donc ce mélange, il se compose. Donc, jujube émoulu, c'est ce que vous voyez ici, ça ressemble au henné. Donc, 500 grammes de jujube émoulu. Donc, ça c'est à peu près 250 grammes, juste pour vous montrer comment il est. Je vais l'approcher. Donc, c'est ça. Ça ressemble beaucoup au henné, mais ce n'est pas le henné. Vous voyez bien? Donc, ça, c'est le jujube émoulu. Et ça, c'est le pierre d'Alain, Sheba, pierre d'Alain qui est moliné. D'accord? Qui est moléneux, ressemble beaucoup au sel. Et ensuite, vous-même, donc ça n'existe pas, vous-même, vous procurez 500 grammes de sel, que ce soit gros sel ou un autre sel. D'accord? Ensuite, vous prenez, donc je vais garder ça, donc vous prenez ça, ça et ça. Le jujubier moulu, le sel que vous avez, vous, ça ne sera pas dans le pack, parce que le sel, vous pouvez le trouver. Et les pierres d'Allah, vous le mélangez tous les trois ensemble et ensuite vous cherchez des sachets, à peu près, hein, sept sachets, donc, et vous coupez la quantité en sept parties. Donc, un, deux, trois, donc vous aurez sept sachets. Dans les sept sachets, chaque jour vous allez utiliser un sachet. Comment vous allez l'utiliser? Vous allez entrer dans le bain, d'accord? Vous allez entrer dans le bain et vous allez, les bouteilles que vous avez préparées de votre pack, vous prenez une bouteille, vous le versez dans le bain et vous mettez bien sûr votre bain rempli, un petit peu à température un peu très 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 basse, le maximum. C'est-à-dire, il faut pas que ce soit trop froid pour ne pas tomber malade, mais vous réchauffez un tout petit peu, il faut pas que ce soit chaud, d'accord? Ensuite, vous versez votre sac. Donc, ça va ressembler à peu près à ça. Donc, le sac qui est mélangé avec les trois choses, il va ressembler à ça. Vous allez le mettre dans le bain. Vous allez le mettre dans le bain. Ensuite, vous restez. Et donc, vous allez verser une grande bouteille de votre pack. D'accord? Et vous allez rester dans le bain. Si dans votre bain, il n'y a pas une toilette, donc vous pouvez mettre des écouteurs et écouter la ruqya. D'accord? Et puis vous restez dans le bain entre 30 et 40 minutes. Vous allez vous soulager, vous allez sentir un soulagement exceptionnel, surtout les gens qui ont l'ayn, les gens qui ont le djinn. C'est impeccable ce mélange. Ce mélange, il est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Il enlève le stress, le khawf, la peur, les angoisses, les crises. Et vraiment, je vous le dis parce que beaucoup de gens qui souffraient beaucoup me l'ont dit, et en plus de ça, vous avez cette fois complet, parce qu'avant je mettais le mélange de Cheikh Romi sans l'huile et l'huile de Nigel, mais j'ai compris que l'huile de Nigel c'est important pour le soir. Donc ça, c'est un traitement à faire pour tous les mal occultes.
C'est-à-dire, si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi, ou bien vous avez les symptômes de l'Aïn, vous avez les symptômes de la sorcellerie, vous avez tous les symptômes, et bien mettez ce traitement. Et pour l'écoute, à chaque fois, écoutez ce que ça vous fait réagir le plus. Jusqu'à ce que vous ne réagissiez plus, après vous reprenez un autre audio qui vous fait réagir, et jusqu'à ce que vous ne réagissiez plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'aurez plus rien. Et je suis sûr que si vous avez la persévérance, que vous suivez bien, vous allez guérir définitivement de ce mal occulte. Après, bien sûr, ce serait toujours bien, moi je le dis, de mettre le point avec un raqi parce que le traitement, en fait, on a toujours besoin de quelqu'un comme un guide, comme un coach, appelez ça comme vous voulez, pour vous dire où est-ce que vous êtes. Parce que le mal occulte, il est facile à guérir, mais en même temps, c'est pas facile parce que ça touche notre esprit, ça nous touche notre existence, ça nous perturbe dans beaucoup de choses, ça nous perturbe dans nos projets. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît, qui a déjà passé par là et qui a vu beaucoup de cas qui sont comme ça, afin de nous dire, vous êtes à quel... Parce que vous savez, au bled, ils disent, Soul Mjarab, let Soul Tabib. Demande à celui, ça c'est bien sûr un proverbe, demande à celui qui a passé par là et ne demande pas au médecin. Ça c'est bien sûr, c'est pas très très juste. Mais l'expérience est importante. Regardez un médecin qui est expert, il va utiliser plus son expérience que ce qu'il a appris. Parce que quand on est dans le bain, c'est autre chose. Ce qu'on a appris dans la fac, ça nous aide, mais dans la pratique, on apprend autre chose que ce qu'on apprend. Bon, je ne vais pas trop rester là-dessus. Donc, Hachikullo, tout ça, ce ne sont que des causes. Le vrai guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez ça bien dans la tête. Et aussi, une autre chose que je le dis et je vais le dire toujours, c'est qu'il faut faire un travail sur soi. Il ne suffit pas des produits pour que votre vie change. Il faudrait faire les produits, mais aussi revoir votre vie, recorriger votre vie, parce que si Dieu il vous a mis ces épreuves, c'est afin de vous améliorer. Allah, il nous donne le bala, il nous donne les épreuves, le khir et du mal et du bien, afin qu'on se réveille et afin qu'on s'approche de lui. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ils connaissent maintenant Dieu plus que jamais. Barakallahu fikoum. N'hésitez pas de aimer, de partager et de liker et de commenter aussi. Si vous avez déjà testé ce mélange, n'hésitez pas de donner votre avis. Et aussi, si vous ne l'avez pas encore testé, eh ben, il faut le tester parce que franchement, je vous l'assure, ça fait énormément de bien. Vous pouvez le trouver sur roquia.org. Salam alaikum.